Il est le charismatique Capitaine Roche dans la série télévisée Cassandre. Alexandre Varga, que les téléspectateurs de France 3 pourront retrouver ce soir dans un nouvel épisode, n'est plus un cœur à prendre, puisqu'il file le parfait amour depuis plusieurs mois. L'heureux élu? Les fans de la série ainsi Grand Soleil la connaissent bien puisqu'il s'agit de Naïma Rodrigue, l'interprète de la piquante Lucille dans le feuilleton. Si est-il le 7 décembre dernier, à l'occasion du 44e anniversaire de l'acteur, que le couple a officialisé sa relation sur les réseaux sociaux. Naïma Rodrigue s'était emparée de son compte Instagram pour faire une belle déclaration à son cher et tendre. Joyeux anniversaire mon bébé. Je t'aime, avait-elle inscrit en légende d'une photo sur laquelle les tourtereaux prennent la pose, tous deux coiffés de chapeaux de cowboy. Dans une interview avec Gala parue le 3 juin dernier, Alexandre Varga est revenu sur les débuts de cette histoire d'amour. Si est-il sur le tournage de la série Cassandre, dans la loge de maquillage, que les amoureux se sont rencontrés pour la première fois. Elle était venue incarner un personnage secondaire, se souvient Alexandre Varga avant d'ajouter, ça a été le coup de foudre immédiat. Dès que je l'ai vu, j'ai été déstabilisé. Mais le comédien, qui sortait d'une relation toxique, ne se voyait pas en couple avec une femme du même milieu. Je ne voulais pas forcément une compagne actrice. J'en ai toujours eu peur. Je fuis les gros égos, la superficialité, mes amis ne sont pas du métier, mais il n'y a pas de concurrence entre nous. On se porte l'un et l'autre, reconnaît finalement Alexandre Varga. Alexandre Varga, l'acteur a demandé sa compagne en mariage après 3 semaines fou amoureux et bien décidé à ne pas vieillir aigri sur un canapé, l'acteur n'a pas hésité à faire le grand saut avec sa compagne. Au bout de 3 semaines, j'ai demandé Naïma en mariage. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Une évidence, a-t-il expliqué. Beaucoup de bonheur aux futurs mariés. Loading widget.